Le robot VT-Rover, c'est une petite machine, c'est une petite tondeuse en fait, ni plus ni moins, à laquelle on donne les coordonnées GPS d'une parcelle qui est équipée d'un panneau solaire. Quand elle a plus d'énergie, elle se repose. Et quand elle a un peu d'énergie, elle va couper de l'herbe. De manière à entretenir les surfaces viticoles, les centrales photovoltaïques. 80% des vignes mondiales étaient désherbées chimiquement. C'était absolument catastrophique. Donc l'idée, c'était de trouver un moyen autre que chimique pour entretenir la concurrence de l'herbe à la vigne. En My Positive Impact, ça nous a permis de communiquer beaucoup, ça a été vachement important. Après, évidemment, ça nous a apporté une certaine notoriété vis-à-vis de nos investisseurs potentiels. My Positive Impact est très très bien perçu dans le monde des investisseurs, green investisseurs, donc c'était très intéressant. Le grand public, à partir du moment où il est au courant, devrait se ruer là-dessus. Parce que déjà, c'est super amusant, on voit tout un tas d'idées. Il y en a qui vont nous paraître un peu farfelues et qui seront en fait des idées de demain. Et qui vont nous permettre, avec l'actualité, de prendre des décisions tout à fait argumentées sur les grands sujets du moment. À partir du moment où on a vu, où on a consulté le site, on ne peut pas s'empêcher de voter et on ne peut pas s'empêcher d'y revenir. Donc, grand public, bouge-toi, grand public. Mais vote, il n'y a pas de choix.